Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes conseils ainsi que mon expérience en passant le code de la route. Donc il faut savoir que moi j'ai passé mon code il y a environ un mois et je l'ai passé en candidat libre. Donc c'est-à-dire que je ne me suis pas inscrite en auto-école. Les raisons pour lesquelles je les ai passées en candidat libre, tout d'abord c'est parce que je voulais en fait le préparer durant l'été. Et l'été j'étais pas du tout chez moi en fait et du coup je pouvais pas m'inscrire en auto-école pour réviser le code. Donc il fallait que je trouve une autre solution. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis inscrite sur un site internet qui s'appelle Ornicar. Je vous mettrai leur lien dans la barre d'infos. En fait à la base c'est une sorte d'auto-école en ligne, mais moi tout ce que je fais avec c'est le code parce qu'ils proposent pas la conduite accompagnée. Quand on fait la conduite ils proposent que la conduite traditionnelle et pas la conduite accompagnée. Du coup j'ai passé juste le code avec eux, donc ce que j'ai fait c'est que genre ils ont des cours en ligne et ils ont des QCM. Il me semble que ça coûte genre 30€ par an. Donc autant vous dire que genre c'est vachement moins cher qu'une auto-école. Du coup je me suis inscrite sur ça, j'ai passé l'été à réviser, le mois de septembre à réviser et je me suis fixé une date à la fin pour me dire je passe l'examen parce que j'arrivais jamais à finir ce truc. Au bout de 3 mois j'étais toujours là, je faisais toujours genre 10 fautes aux entraînements etc. Donc bon j'étais là en mode bon bah je m'inscris, c'est ma date limite, j'ai tout ce temps là pour me préparer. Donc du coup je m'inscris, je mets les bouchées doubles clairement pour finir de préparer mon examen. Je vais au poste d'examen où je m'étais inscrite et je passe mon code. 2 heures plus tard j'ai le résultat, je l'ai eu avec 3 fautes il me semble, donc j'ai eu 37 réponses justes. Du coup maintenant je me suis inscrite en auto-école pour passer maintenant la conduite, pour faire 20 heures de conduite, pour faire la conduite accompagnée. Du coup maintenant on va commencer avec les conseils. Alors il y a deux moyens du coup comme je vous ai dit de passer son code, il y a en auto-école et en candidat libre. Moi j'ai choisi le candidat libre, mais si vous vous inscrivez en auto-école, c'est beaucoup plus simple en fait parce qu'il vous guide à travers toutes vos révisions, etc. C'est un peu plus guidé en fait. Si vous vous inscrivez en auto-école, c'est déjà plus simple et vous pouvez leur demander pas mal de choses parce qu'ils sont vraiment là pour vous accompagner. Si en échange vous faites comme moi et vous le passez en candidat libre, je vous conseille vraiment de vous préparer correctement à l'avance en faisant beaucoup de séries d'entraînement histoire de voir toutes les questions ou le plus de questions possible. Il me semble qu'il y a 1000 questions possibles sur lesquelles vous pouvez tomber à l'examen du code. Donc préparez-vous au maximum en fait, déjà apprenez bien tous les cours, il y a des trucs de base et en fait on s'en rend pas compte qu'il faut les savoir, genre c'est des trucs tout bêtes mais il faut les savoir. En fait moi ce qu'il faut savoir c'est que le code m'a vraiment donné l'impression que c'était un truc tout bête, l'examen en tout cas, parce que les questions qu'on m'a posées c'était vraiment des questions de logique. Genre il y a une question qui m'a choquée, je me suis dit mais comment ils peuvent nous poser ça au test du code, c'était il y avait une voiture, il y a des images à l'examen et il y avait une voiture sur une autoroute glissante parce qu'il pleuvait et la question c'était y a-t-il un risque d'aquaplanage. Bah oui, enfin c'est logique en fait, mais ce genre de vocabulaire etc, c'est tout le genre de truc qu'il faut savoir pour passer l'examen du code. C'est super chiant d'apprendre tout ça, c'est pour ça moi au bout d'un mois je me suis dit bon allez hop ça me saoule, du coup j'ai un peu arrêté et quand je m'y suis remise j'étais en mode oups tant pis, du coup j'ai recommencé depuis le début. Mon conseil c'est vraiment de travailler à l'avance correctement et régulièrement parce que ça c'est la clé, un peu comme dans tout d'ailleurs. Si vous travaillez régulièrement vous aurez aucun problème à obtenir votre code. Mon deuxième conseil c'est de prendre votre temps, surtout si vous êtes en candidat libre, vous savez rien qui vous pousse à avoir votre code là tout de suite comme ça. Moi je voulais vraiment avoir mon code l'année de mes 15 ans juste parce que je me suis dit si je peux avoir la possibilité de faire la conduite accompagnée et le code à mes 15 ans, je veux prendre l'occasion quoi. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai passé mon code en septembre et là je suis en train de commencer ma conduite accompagnée en auto-école. Donc si vous avez l'occasion de prendre votre temps, faites-le. N'oubliez pas quand même de vous fixer une date limite parce que sinon vous allez repousser ça jusqu'à super tard. Croyez-moi, au début j'étais là en mode bon bah je le passerai quand je serai prête, mais je crois que si j'aurais continué comme ça j'aurais pas encore été prête quoi, j'aurais été encore en train de faire mes séries. Donc franchement fixez-vous une date limite, mais entre temps prenez votre temps, vous stressez pas. Le code honnêtement quand je l'ai passé je faisais encore bien 6-7 fautes à chaque série d'entraînement quoi. J'ai dû en faire 2 avant de me présenter à l'examen sans erreur. Donc franchement prenez votre temps, faites le moins d'erreurs possible quand même quand vous faites des séries d'entraînement, juste parce que bah forcément ça vous augmente les chances d'obtenir votre examen. Après si vous faites encore 6-7 fautes c'est pas bien grave parce que ça se rapproche vachement des 5. Et en général moi franchement même les séries faciles que je faisais en entraînement sur mon téléphone, même ça c'était plus difficile que l'examen du code. Après chacun tombe sur les séries qu'il tombe à l'examen, mais moi en tout cas j'ai trouvé ça vraiment facile. Mon troisième conseil pour préparer votre code c'est de voir des cas réels. Alors en auto-école il me semble que des fois ils vous proposent de faire des heures de conduite avant d'avoir votre code pour vous familiariser avec la voiture et pour comprendre ce que vous apprenez. Ça je trouve ça génial, moi j'ai pas pu le faire parce que j'étais pas en auto-école. Mais mes parents, là, quand j'ai appris par exemple les feux,
ils m'ont mis devant la voiture et ils ont fait bouger les feux et ça me permettait de voir les différents feux qui existaient, etc. Donc ça, c'est super intéressant d'étudier des cas réels parce que c'est comme en cours, si vous comprenez, si vous voyez physiquement ce que vous êtes en train d'apprendre, ça vous aide vachement à mémoriser votre truc. Donc ça, ça marche vraiment bien, je trouve, aussi quand vous êtes passager dans la voiture, vous faites gaffe aux panneaux, faites gaffe aux réglementations, aux priorités à droite, etc. Et ça va vous vraiment vous commencer à vous mettre la tête en mode examen et en mode conduite en fait. Donc voilà, ça c'était mes 3 conseils pour préparer votre code au mieux. Donc n'oubliez pas qu'aujourd'hui, même si vous ratez votre code la première fois, vous pouvez quand même le repasser pour genre une 30aine d'euros max, parce que à la poste on le passe pour 30 euros. Moi mon code, je vous dis, au total j'ai dépensé 60 euros pour le passer, entre l'inscription à Ornicar qui a coûté 30 euros et l'inscription au code qui coûtait 30 euros. Au total j'ai dépensé 60 euros, alors qu'en auto-école en général c'est autour des 250. Donc n'oubliez pas que même si vous le ratez, c'est pas bien grave, au pire vous attendez le mois prochain pour être encore plus prêt, avoir refait beaucoup de séries, avoir revu vos cours, etc. Mais il n'y a pas de raison que vous le ratiez. Moi j'ai passé mon code dans un truc qui s'appelle Objectif Code, je me suis inscrite en ligne en fait sur le site de Ornicar, vous dites s'inscrire à l'examen, et ça vous trouve plein de locations autour de chez vous, vous pouvez le passer. Donc j'arrive, là-bas il y a une petite salle d'attente, donc j'attends, on était genre 4 filles il me semble. Et donc là il y a le gars, il vient nous prendre, on y va, donc on marche vers la salle, là il y a tout le monde qui se regarde en mode on va rater notre vie. Du coup on rentre dans la salle, là il y avait en fait plein de tablettes individuelles, je pensais pas en fait, moi j'étais encore dans le mode où le code ça se passait avec un diapo et avec des manettes où tout le monde répondait à la même question, alors qu'en fait pas du tout, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'avais ça dans la tête. Du coup voilà, il y avait des tablettes sur la table avec des casques. N'oubliez surtout pas votre convocation et votre carte d'identité valide, ou il me semble que c'est invalide mais en dessous de 2 ans, genre il faut pas que votre carte soit périmée depuis plus de 2 ans. Mais bref, en gros une pièce d'identité et la convoque, et ça il le vérifie au moment de rentrer dans la salle en général. Du coup je rentre, je m'installe, il me donne une tablette, je peux m'asseoir, et ensuite ça ouvre directement sur la page examen du code de la route. Vous allez rentrer les identifiants qui sont marqués sur votre convocation tout simplement, et ensuite il y a une petite vidéo qui va défiler avec les consignes en gros, donc ça va vous expliquer exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, le temps, tout ce genre de petits détails, et ensuite vous pouvez cliquer sur commencer l'examen et c'est parti. Ça dure une 30aine de minutes il me semble, et franchement moi les questions, il y avait 20 secondes pour répondre, je répondais avant que les 20 secondes soient lancées, parce que dès qu'il y a une intuition, moi je la suis en général, parce que je me dis la première intuition c'est souvent la bonne, donc je cochais la réponse, et si j'avais 20 secondes pour réfléchir à ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et voilà, je laissais ça comme ça. Surtout le jour du code, n'oubliez pas d'être logique, comme je vous dis votre première intuition est souvent la bonne, mais surtout voilà, n'oubliez pas d'être logique et dites-vous que ça se passerait dans un cas réel, donc imaginez-vous en train de conduire une voiture, il se passe tel truc, qu'est-ce que vous faites? Et en fait c'est ça qu'il faut se dire, moi c'est comme ça que je pense que je l'ai réussi clairement, parce qu'il y avait des questions, je suis en mode oula, et puis en fait c'est logique, il y avait une question par exemple, il y a un vélo très loin, il y a un piéton très très près, où est-ce que je m'arrête? Après le piéton, avant le piéton? Ah bah je vais pas écraser le piéton quoi. Et ensuite mon dernier conseil c'est d'observer les détails, étant donné que voilà, tout se joue dans les détails en général dans la conduite, il faut vraiment être attentif à tout. Et c'est ça qu'ils vont essayer de tester aussi pendant l'examen, c'est est-ce que vous savez assurer une conduite en sécurité. Et c'est ça qu'ils veulent vous faire tester lors du code, et donc faites bien attention à tous les petits détails. Donc voilà, surtout ne stressez pas, c'est qu'un examen du code, ça coûte 30 euros de le repasser, donc surtout vous en faites pas pour ça. Donc voilà, c'est tout pour mes petits conseils pour passer votre code, je vous souhaite bonne chance et surtout ne stressez pas, c'est qu'un examen du code et c'est pas bien grave si vous le ratez. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram, je vous l'écris juste ici. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo.